Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc il fait froid, on est en France, on est au château de Grouchy et je me trouve avec le bébé Urus avec la nouvelle RS Q3. Donc on va aller rouler dans un instant. Je viens de la rouler un petit peu, c'est une petite bombe. Donc voilà, elle provient de la concession là où j'ai commandé ma RS6. Donc ils ont ça en véhicule de démo, elle est en vente actuellement. Ça sort, ce modèle là sort là, donc elle a 6500 km, ça sort à 79 000 euros sur route avec les taxes. C'est pas donné. Et en neuf, elle est à plus de 100 000 euros. Donc voilà, au niveau de la ligne, je trouve qu'elle est quand même bien réussie. C'est vraiment un bébé Urus. On n'a pas le pack noir sur celle-ci. Très sympa. Donc c'est un 5 cylindres de 400 chevaux. Ça fait le 0 à 100 en 4 secondes 5. Donc ça marche bien, c'est une petite bombe. Les échappements là en fait c'est des faux. Et après t'as un échappement derrière le vrai qui est dégueulasse. Mais ça c'est un faux, le pot ovale là c'est un faux échappement en fait. Et c'est pareil sur la RS6. 21 pouces. Non, c'est un petit Urus vraiment très sympathique. Une petite bombe. C'est le même moteur que la RS3. Donc c'est un 5 cylindres, encore une fois, 400 chevaux. Là on a une boîte S-tronic. Alors que sur la... Donc double embrayage. Donc c'est vraiment, on a vraiment l'impression de conduire une TTRS par exemple, la nouvelle. Et je vais vous montrer le bloc moteur. Et par contre sur la RS6 du coup, ça va être une boîte triptonique, donc pas double embrayage. Et a priori c'est pour des raisons de couple, trop de couple sur la RS6, donc ils n'ont pas mis un double. Donc j'ai hâte d'essayer ça sur la RS6. En tout cas là c'est le volant. Un Alcantara qui est pas mal décrié, que les gens n'aiment pas, moi j'aime bien. Le seul problème c'est que si t'es un goré des mains et que tu transpires, effectivement au bout de 2-3 ans il peut ressembler à rien, mais sinon au toucher... Ah non, moi j'adore l'Alcantara, donc j'adore le volant, je trouve qu'il est plutôt sympa. Je vais vous montrer le bloc moteur, ainsi que, bah voilà, un petit peu l'intérieur. C'est honnêtement, bah c'est Audi, c'est plutôt bien fini. La config est vraiment bien. Top top. Sympa. Il va y avoir le bloc moteur, sachant que il y a une option. Hop. Avec le carbone. Plutôt sympathique. 5 cylindres. TFSI. Après, effectivement, ce qui manque dessus, ça va être le pack noir. Mais c'est une petite bombe vraiment sympathique à conduire. On va aller faire un essai dans un instant. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette voiture. Hop. On va mettre le siège chauffant parce que, il fait froid. Moi, je viens de Maurice là, ça pique. Bon les amis, on va aller rouler un petit peu. Là, quand on a le soleil, c'est cool. Ah, capot moteur mal refermé. Avec une main, c'est pas évident. Alright. Allez, c'est parti. Alright. Donc là, on est en dynamique. Franchement, c'est comme on dirait vraiment un TTRS. C'est cool. Donc on a 400 chevaux et... C'est une petite bombe, 0 à 100 en 4 secondes 5. Mathieu, s'il y a des remarques à faire, n'hésite pas. Je voulais de la voiture. Pas de soucis. Donc là, on est à Oni, Grouchy, on va faire un petit tour. On descend. On va passer là-haut. Tu montes là-haut? Ouais.
à la concurrence juste devant. Tu peux filmer. Tu peux tout filmer, hein. Sauf le compteur si je suis en train. Tu peux vraiment filmer ce que tu veux. Ah, par contre, il y a un truc qui me stresse, les gars. Start and stop. Il est là. Non, là. Là, ça, c'est pour le frein en automatique. Il est où le. Start and stop là. Ok, ouais. Alors, ça, c'est un truc qui me stresse. Même en mode dynamique, il te met le start and stop. Ouais, par contre, Mathieu, RSQ3, là, je promets rien pour les jambes parce que là, j'arrive de Maurice et tout, ça a inversé le volant. Le temps que je me réhabitue un petit peu là. Donc, c'est pas grave. Oh, ça rangera. Ouais, la boîte est cool. Ça aussi, un petit peu ce système là sur la RS6, sur la RS6, ouais. Que j'ai jamais vu, donc, mais honnêtement, c'est ça qui est cool. Là, vous êtes fort parce que tu sais que tu l'as jamais vu, mais tu commandes la voiture et tu vas pas être déçu. Mais pas beaucoup de marques qui peuvent vraiment faire ça. Et je pense que voilà, je vais pas être déçu quand je vais monter dedans, tu vois. Le pack Alcantara avec le volant, les sièges. Cool. Ouais, le chauffement, il fait plaisir. Il fait du bien. Encore une fois, on arrive en Maurice là parce que on est à combien, 8,5 degrés. Autant dire pour moi là, il fait froid. C'est Rasta Rocket au Canada. C'est comme le film quand ils arrivent au Canada là. Ah ouais. T'es en mode sans commande, qu'est-ce que tu fumes. Il fait plaisir la petite siège. Sympa, un bébé Urus, un peu moins cher. Mais tu disais donc par rapport à cette taxe là, on est sur 20 000 euros de taxe. Taxe CO2, ouais, on est à 20 000 euros 2020. Ça pique. Donc là, il y a la prison juste en face, c'est là où on va si on ne si fait pas attention direct. Pour Madame Cédric. Et des fois, je lui volerai, tu vois. Enfin, il n'y a plus qu'à la convaincre. Top, top. Ce que je peux comparer du coup, parce qu'effectivement à l'île Maurice j'ai mon daily familial, c'est le Macan Turbo Pack Performance qui fait 440 chevaux. Et là on a 400 chevaux. Il fait le 0 à 100 en 4 secondes 4, le Macan Turbo Perf, et celui-ci fait le 0 à 100 en 4 secondes 5. Donc c'est vraiment très proche. Le gabarit c'est quasi c'est le même, j'ai l'impression. Un peu plus petit celui-là. Un petit peu. Légèrement. Mais c'est pas les mêmes sensations. C'est-à-dire que. Parce qu'on a un 6 cylindres sur le Macan, on a un 5 cylindres. C'est pas du tout les mêmes. Même le bruit, je pense. Sensation. Le bruit, c'est pas, ça n'a rien à voir. T'as les boîtes qui sont différentes aussi. Mais ça fait quasiment 1,8 tonne à vide. C'est énorme. Le Macan, je pense qu'il est lourd aussi. Mais comment dire, on a l'impression que le Macan va plus vite. Alors que pourtant, ça joue à un dixième. Je sais pas comment expliquer le truc. On a l'impression que c'est je sais pas, qu'il y a plus de muscles ou. Peut-être que c'est une idée que je me fais, ou mais je sais pas comment expliquer le truc, alors qu'on a que un dixième des cas.
mais c'est vraiment une tip top voiture avec un peu de coffre. Donc, précision, celle-ci c'est la coupée Sportback que je trouve beaucoup plus jolie que l'autre. Du coup, c'est ce qui fait qu'elle a un style un petit peu de bébé russe. Mais, l'architecture du moteur 5 cylindres fait que tu as des sensations différentes. J'ai hâte d'essayer la RS6 avec les 8 cylindres. Pour bientôt. Tu l'as conduite ou pas encore? En Allemagne. En Nouvelle. Et au niveau du son, alors, c'est comment par rapport à ça? Plus feutré encore? Ouais. On entend moins le son? On entend vraiment en pleine charge. Comme donc, celle qui est dans le hall. On va à la prison direct. Ah bah régime, t'entends rien. Au démarrage. Après, dès qu'elle est chaude. Donc faut changer la ligne. Entre autres. Sachant que vous, du coup, vous êtes préparateur ABT aussi. Ouais. On fait préparation ABT. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il faudrait que je fasse une préparation ABT sur la RS6. Ok les gars, bon allez, c'est vendu. J'ai ramené ça dans le garage de LC. Allez, dites-moi en commentaire si je dois ramener ça. C'est vendu. Non, c'est une blague les gars, c'est une blague, on se calme. Non, en tout cas, un petit essai, tranquille. Une petite bombe bien sympathique, un bébé russe, vraiment petite en voiture. Mais il y en a très peu sur la route actuellement, donc vraiment l'occasion, ça revient cher. Mais voilà, on ne peut pas toutes les acheter malheureusement, mais c'est un super petit daily. Top. Et j'ai vraiment hâte de recevoir la RS6. La première fois, j'ai déjà trouvé le petit nom de la RS6. Donc j'ai vraiment hâte de la recevoir. Merci à vous, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce bébé russe. La RS3 et là on a la version Sportback coupée. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao.